connu pour ses scandales financiers à répétition. Le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso ne fait plus l'unanimité au sein du PCT, Parti Congolais du Travail. Sa candidature à la magistrature suprême reste la principale interrogation et l'équation à l'inconnu que la majeure partie des caciques du PCT redoute, bien que cela ne fasse aucun doute sur ses ambitions. Sa récente nomination à un portefeuille ministériel est la longue stratégie conçue et cousue par son père afin de transmettre le pouvoir de gré à gré. Mais seulement, certaines figures politiques du PCT s'accordent à dire que Christelle Sassou Nguesso est mal placée pour assumer cette fonction régalienne au regard de son parcours et de ses scandales à répétition. Une chose est sûre, le Parti Congolais du Travail, le PCT, est sur le point d'imploser, comme ce fut au temps de Mobutu. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet jemainformetv.com. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.